Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avec Excel, on peut créer des QR codes pour envoyer des SMS à des groupes de personnes. Par exemple, envoyer ce message uniquement aux personnes qui sont dans le groupe A. On obtiendra ce type de QR code. Vous pouvez d'ailleurs faire pause et le scanner pour vérifier qu'il permet effectivement d'envoyer le message aux personnes concernées. Attention, il vous faudra la version Excel 365 ou, comme je vais le faire dans cette vidéo, travailler avec Microsoft en ligne. Alors c'est parti, on va commencer par mettre notre tableau principal sous forme de tableau structuré. Vous choisissez un modèle, mon tableau comporte des entêtes, OK. Vous pouvez lui donner un nom en allant dans Conception de tableau, je vais l'appeler par exemple Data concernant le formatage des numéros de téléphone, je me mets juste au-dessus du titre pour sélectionner les données et dans accueil, format de nombre, je vais choisir autre format spécial numéro de téléphone. Donc visuellement, on a le bon formatage, cependant, à l'intérieur de la cellule, il n'y a pas le zéro. Donc nous verrons tout à l'heure comment imposer ce zéro. On veut maintenant filtrer cette population suivant les groupes. Soit vous connaissez l'ensemble des groupes, ou alors on va les récupérer en utilisant la fonction unique. Ensuite, je sélectionne les données de la colonne groupe et je valide. On voit qu'il n'y a que trois groupes A, B et C. Si un nouveau groupe se rajoute, par exemple D, il est bien dans la liste. Maintenant, cette liste n'est pas triée. Donc on peut améliorer la formule en rajoutant devant trier entre parenthèses les données uniques de la colonne groupe et au niveau de la cellule qui permettra de filtrer on va aller dans données validation des données Pour le moment tout est autorisé dans cette cellule et nous on va imposer une liste la source étant les cellules qui sont ici donc vous pouvez, en prendre plus au cas où il y aurait d'autres groupes qui s'ajoutent. Dans le menu déroulant, on a uniquement les cellules non vides. Si à nouveau je rajoute un nouveau groupe, le D apparaît bien dans la liste. Donc je vais prendre par exemple A, je remets A ici. On veut donc envoyer un SMS aux personnes qui sont dans le groupe A. Pour vous expliquer la formule, je vais le faire en deux étapes. La première va être de filtrer ce tableau en ne gardant que les numéros de téléphone qui sont dans le groupe A. Pour ça, j'utilise la fonction filtre. Je veux récupérer les numéros, donc je sélectionne les données de cette colonne point virgule. Ensuite, vous mettez le test. Donc pour nous, c'est est-ce que le groupe est comme A. N'oubliez pas les guillemets. Entrée et on retrouve bien les numéros de téléphone uniquement pour les personnes qui sont dans le groupe A. On a maintenant deux problèmes à régler, ajouter le 0 et ensuite concaténer, c'est-à-dire mettre ensemble tous ces numéros en les séparant par des virgules. Pour ajouter le 0, on va utiliser la fonction texte qui, à partir d'un nombre, va pouvoir être transformée sous un certain format. Donc nous le format on va mettre 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on a alors le numéro de téléphone qui est aligné à gauche, c'est-à-dire qu'il est considéré comme du texte et un 0 a bien été ajouté. Donc on peut améliorer notre formule en mettant ici texte le numéro de téléphone doit être formaté de cette façon et entrer il reste maintenant à rassembler toutes ces valeurs en les séparant par des virgules. Pour ça, on utilise la fonction joindre texte qui va nous demander quel est le délimiteur, donc quel caractère doit être mis entre chaque numéro. Donc pour nous, ce sera une virgule. Point-virgule. S'il y a des cellules vides, faut-il les ignorer On va mettre vrai. Et enfin, où sont les différentes plages à assembler donc Pour l'exemple, je vais prendre ce qui est là. Je ferme la parenthèse et entrée. Donc, je vais à nouveau améliorer la formule qui était en haut en rajoutant devant joindre point texte en premier paramètre le délimiteur donc entre guillemets virgule point virgule vrai pour ignorer les cellules vides point virgule les données qui ont été filtrées. Je ferme la parenthèse et tout fonctionne. Nouvelle amélioration, c'est par rapport au groupe où j'avais marqué A, alors qu'évidemment, ça dépend du filtre. Donc on va enlever le A et on va cliquer sur cette cellule. Donc si maintenant je choisis B, les numéros de téléphone ont changé. Donc je vais pouvoir déplacer ma formule et la mettre ici. On va mettre un petit message et on va voir maintenant comment insérer un QR code. Pour ça, on va utiliser un utilitaire de Google qui permet de créer des QR codes et on va lui spécifier qu'il s'agit d'envoyer des SMS. Donc on aura les différents numéros séparés par des virgules, deux points suivis du message. Alors voici un exemple où on lui demande de créer un QR code de taille 200 par 200 qui est du type ⁇ Envoyer un SMS à ces deux numéros et le message est urgent ⁇ donc, on va utiliser la fonction image qui n'est disponible que dans Excel 365 ou dans la version en ligne. Entre guillemets, je vais coller l'adresse qui permet de créer les QR codes. Ensuite, à cette adresse, il faut que l'on colle les numéros de téléphone. Donc, on va utiliser le et commercial pour concaténer avec les numéros. Ensuite, on va ajouter entre guillemets deux points pour séparer les numéros téléphones du message, et on va concaténer avec le message. Je ferme la parenthèse. On a un avertissement de sécurité puisque l'image provient d'un autre site, et au bout de quelques secondes, vous avez le QR code. Alors bien entendu, il va falloir augmenter la hauteur de la ligne et la largeur de la colonne. Je vais supprimer ces lignes-là. Et supprimer ces colonnes. Notre utilitaire est terminé, je peux maintenant filtrer le groupe, changer le message et actualiser le QR code. Voilà, à bientôt